grâce à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, strophe 10. Préceptes,
Esprit savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Parleront alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 22. Cherche qui poursuivent ta face, Seigneur.
Cantique d'Isaïe, page 274. Du père Matta El Maskin, le Christ de l'histoire. Quand fut venue la plénitude du temps, naquit un enfant nommé Jésus, à telle heure, tel jour, tel mois, telle année de l'histoire. C'est ainsi qu'il fut enregistré comme citoyen sur les registres du recensement impérial il y a 2000 ans. Et, à partir de sa naissance, conformément au témoignage des évangiles, des événements indiscutables ont manifesté que là, en cet enfant, s'introduisait un nouveau mystère pour l'homme. Mystère qui dilate l'histoire de l'homme bien au-delà de l'homme, du temps et de l'espace. Mystère qui s'étend jusqu'à inclure les cieux et leurs créatures invisibles, jusqu'à l'éternité, et jusqu'à Dieu même. Cet événement céleste violait manifestement les limites dans lesquelles s'inscrit l'action humaine, telle que l'histoire peut en faire la chronique dans le temps. L'irruption des anges et des êtres célestes dans le champ visuel et auditif de l'homme est un fait
qui n'appartient pas d'abord au domaine de l'histoire, ni de la vue, ni de l'ouïe humaine. Il y a là une claire indication que le nouveau-né a une existence transcendante et qu'au moment même de sa naissance humaine et terrestre dans la crèche de Bethléem, cet événement a retenti dans l'univers divin, céleste, et a été ressenti jusque dans les lieux très hauts. La tâche de l'ange est ici très particulière en ce qu'il est un évangéliste, un porteur de bonnes nouvelles au service des hommes et qu'il entreprend, sur l'ordre de Dieu, de rappeler à chacun l'importance de ce jour-ci dans l'histoire de l'humanité comme un jour de grande joie qui sera pour tous sur cette terre la source de toute joie. Sous son aspect divin, la nativité du Christ est la naissance d'un Sauveur. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, l'amour parfait bannit la crainte. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir de l'assurance au jour du jugement. Comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour.
Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Il y a un commandement de l'amour mutuel. Il vient non seulement de ce que Dieu ordonne, mais aussi de l'exemple que donne Dieu lui-même. En effet, comme saint Jean l'affirme, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Notre connaissance de Dieu est limitée. Saint Jean peut dire en effet, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais nous pouvons ressembler à Dieu par la pratique du commandement de l'amour. Alors, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Cela se fait grâce au don du Saint-Esprit et à la confession de foi en Jésus, Fils de Dieu et Sauveur du monde. Saint Jean met en relief l'importance de notre capacité à aimer. La charité est la plus grande des vertus théologales, car, comme l'écrit saint Paul, elle ne passera jamais. Par elle, nous pouvons agir comme Dieu agit, par amour. Cet amour de Dieu, nous pouvons le contempler dans l'abaissement de son Fils qui s'est fait semblable à nous. Alors que Noël est encore proche, efforçons-nous de comprendre cet immense amour que Dieu nous a montré. Notre capacité à aimer est infinie. Devant cet exemple divin, efforçons-nous de faire grandir notre amour. Réalisons notre être dans l'amour. Car comme le répète saint Jean, Dieu est amour. C'est à la lumière de l'être de Dieu que nous découvrons la nature de notre être, créé à l'image de Dieu. Puisque Dieu est amour, vivons dans l'amour. Saint Jean affirme, l'amour parfait bannit la crainte. Jean ne parle pas ici de la crainte de Dieu qui est un don du Saint-Esprit, mais de la crainte d'un châtiment. En effet, un tel rapport à Dieu est imparfait. Mais il ne s'agit pas tant d'opposer cette crainte au pur amour de Dieu que de voir une progression possible de cette crainte vers cet amour. En effet, saint Basile, suivi en cela par d'autres auteurs spirituels, considère que l'on aime d'abord Dieu comme un esclave, par crainte servile d'un châtiment, puis comme un mercenaire, par désir d'une récompense, puis enfin comme un fils, parce que Dieu est Dieu, tout simplement. C'est donc toute la pédagogie de la croissance spirituelle qui conduit à aimer Dieu d'un véritable amour désintéressé, dans une pleine confiance filiale. En cette année de la miséricorde, souvenons-nous que nous ne pourrons être miséricordieux que dans la mesure où nous imiterons Dieu qui est miséricordieux. Il ne s'agit pas de rester dans la crainte, puisque celui qui en reste là n'a pas atteint la perfection de l'amour, comme le dit saint Jean. Mettons-nous donc à l'école de la charité divine et efforçons-nous de faire des progrès dans l'amour. L'affirmation de saint Jean, Dieu est amour, vient, ne l'oublions pas, après une longue histoire sainte, après bien des étapes dans la connaissance de plus en plus approfondie de Dieu. Ayons donc confiance en Dieu qui, par sa grâce, saura nous faire franchir de telles étapes pour en arriver à une relation pleine de confiance filiale avec lui. Dieu est amour et Jésus nous demande d'être parfait comme notre Père céleste est parfait. Que notre être soit donc pleinement identifié à l'amour et nous ressemblerons à Dieu.
Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour que les moyens de communication soient des instruments au service de la vérité et de la paix, Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Pour les réfugiés contraints d'abandonner leur maison à cause de la violence, afin qu'ils soient accueillis avec générosité et que leurs droits soient respectés, Seigneur, nous te prions. Fais grandir, les séminaristes et les religieux en formation, afin qu'ils reçoivent sagesse et grâce au service de leur croissance et de la mission de ton Église. Seigneur, nous te prions. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma Seigneur notre Dieu, soleil qui brille pour toutes les nations, accorde aux peuples de la terre de vivre en paix et fais lever en nos cœurs l'admirable lumière qui a guidé les mages vers ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Et voici le Seigneur.
Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes les promesses du Christ. Thank you.